C'est pas là que je vais aller. Good luck! Son of a bitch! Allez, s'il te plaît. Ah, le start est vraiment pas fou, les gars. La voiture, je vais aller booster, mais bon. C'est pas vraiment un stade de fou, les gars. Bon, en tout cas, notre meilleure voiture, c'est la rouge, les gars. La jaune. Faudrait qu'il y en ait beaucoup. On a pas beaucoup de spin. Salut, mon Run Jesus. Ok. J'espère que c'est un petit billet, quand même. Ouais. Un petit, quoi. Faudrait d'autres voitures jaunes, là, dans ce truc-là, quoi. Par là, les gars. Ah, là, par contre, si elle commence à dead comme ça, ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud si ça dead, là. Ah, trop dead spin, hein. Sur la même ligne, c'est nul. Ça c'est pas mal par contre. Ça c'est pas mal normalement. J'espère que c'est beaucoup. Oui monsieur. Ok. Punaise hein, les jaunes. J'aime bien ce qui se passe les gars. Magnifique. Let's go. Ok, on n'a jamais été aussi haut dans le Wager. À part au start du Wager, les gars. Eh bah écoutez, ça rachète. Ça rachète. Son of a bitch. Ah, vas-y, elle est trop belle, cette slot. Hein. Allez, let's go, les gars. Putain, j'aurais jamais cru prendre un beau bonus avec ce setup, en vrai. Hein. Celui-là, je vais pas l'aimer non plus, ce setup, les gars. Bon, pas beaucoup de spin. 15 aussi. Cette top des voitures est pas incroyable. Autant tout à l'heure la jaune elle était boostée. Ce qu'on a eu comme chance dans le bonus d'avant les gars, c'est qu'on a connecté toutes les jaunes. C'était la meilleure voiture, c'est que elle qui a connecté, donc ça c'était cool. Bon là par contre. Dommage qu'elle ait pas été là. Hein. Ah là là, dommage. C'est 10 balles ça. Non, peut-être 20 balles. Allez, 15. Ok. Est-ce qu'on va survivre grâce à Rodrigue? Ça serait beau ça quand même. Remonte à Dad Wager, 2K, on repart en dinguerie. Allez. Ah ah. Faudrait une verte là qui vient de se placer là, ou une jaune qui vient par là là. S'il te plaît, 3 spins là. Ok, c'est pas mal en vrai. Oh, les pneus. Les pneus, c'est bien, je pense. Ok, bon, déjà, c'est pas un dead. C'est déjà très bien. Maintenant, tu peux faire une dinguerie, là. Les rouges. Je sais pas si c'est si ouf que ça. Je sais pas, les gars. Allez, dernier spin, s'il te plaît. 60 balles et on est remboursé. Ouais, compliqué, là. Je crois pas qu'on ait les 60 balles, les gars. Je crois qu'on a 20 balles. Ah, 30 balles. Perdre l'argent quand même, mais ça va les gars, ça va. Je vais racheter. Trop beau ce bonus en vrai. Hein. Je le trouve trop trop beau. Allez, let's go les gars. Ok. Tac. Bah, t'as la notif normalement quand tu win Run Jesus, non? Ah putain, ça c'est horrible ça, parce que du coup il descend pas et ça fait une case de perdu. Souvent c'est des bonus de merde avec ça, mais bon. Je dis ça, on verra. Pareil, hein, elle ne met jamais sur les têtes. Hein. Ça pourrait être tellement huge. Bon, problème, c'est qu'elle est un peu dans le coin, quoi. Ok, ok, ok. Ok. Deuxième voiture verte qui va se mettre en dessous. Après, c'est pas insane. Faudrait qu'il y en ait qui se mettent derrière, là, du coup. Soit des jaunes, soit des vertes qui viennent se mettre là. Et qu'après ça continue d'enchaîner. Par contre ça c'est bien.
C'est l'impression que ça va être une enculerie quand même le Bundesliga. C'est rien passé, on a 20 balles. 3 spins. Un peu loin. C'est pas huge ça je pense. Dernier spin les gars. Jaune jaune, je sais pas. Rien. Ouais, rien. Celui-là il est un peu plus douloureux. Celui-là il est un peu plus douloureux les gars. Allez, let's go les gars. Un bon setup. Alors déjà on n'a pas de demi-tour. Ah dommage, on va encore perdre une case ici. Ok, la meilleure voiture c'est la jaune. Et après la rouge. Et bon, on n'a pas beaucoup de spin, pas des setups de foot voiture. Je sais pas les gars. Je vais fast jusqu'à qu'on ait un petit setup. Dommage, on est toujours pareil. Rouge, elle commence à prendre un peu du grade. Mmh. Ouais, des jaunes au milieu là. x3, x4. Allez, s'il te plaît, hein. C'est pas mal en vrai, hein. En vrai, ça aurait pu être lourd. S'il y avait eu un meilleur symbole. Allez, s'il te plaît, hein. Il y a un petit setup qui commence à se dessiner. Il reste 3 spins pour le finir. Ça va. En vrai, c'est pas mal, les gars, je pense. Quoi? Ça s'emballe là-dessus? J'aurais jamais cru. Comment ça, ça s'emballe? Oh! Oh! Les rouges! Oh, c'est une dinguerie, ce bonus! Oula, je sais pas combien c'est, les gars, mais je dirais au moins 500 encore, non? Oh là! Oh, let's go! On est back au start après 12 heures de galère! Let's go, les gars! Putain, ma vie, hein! Quelle était dure cette session et on arrive comme ça, là, tranquillement! Oh là 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 là! On prend tout le voyageur! Let's go, les gars! Ok! Putain, Rodredge, hein! Ça, c'est un vrai... Ça, c'est une vraie slot, ça! Je vais racheter, du coup, les gars. Dinguerie, hein! Dinguerie, les gars! On a galéré tout le voyageur! On est passé de 2000 à 200, là, sans rien de ce qui se passe! Et voilà ce qui me plaît, ça! Allez, maintenant! Voilà, la rouge qui va faire un demi-tour, ça on aime les gars. Et derrière, il faut un bon setup, vas-y. Oh là là, nice. Mais oui les gars, c'est jamais fini. Allez. Dommage le demi-tour. Ah putain, on a pris la flèche vers le haut, c'était cool. Bon, la rouge, elle a un bon setup les gars. La jaune aussi, hein. La jaune, elle a un putain de setup, j'avais pas vu, mais... Troll pas par contre. Vert, les télé jaunes. Non, t'arrêtes pas. T'aurais mettre une deuxième verte derrière, ce serait pas mal, les gars. Voilà une vraie slot. Franchement, elle est dingue cette slot. Par contre, là, t'es pas obligé de me faire perdre parce que tu m'as fait gagner avant. Hein. Ça, ça. T'as le droit de me faire gagner, hein. De continuer à me faire des trucs de fou. Hein. Je verrai après les achats, je pense. Bon, par contre, là, le bonus, les gars, il est. Il est hard le bonus, hein. Ah, même avec ça, il est hard pour l'instant. Les verts. Je pense pas que ce soit insane non plus. Ouais, pas du tout même. Il reste 2 spins, les gars. Faudrait une voiture rouge, là, qui vienne là et qui fasse... Dernier spin, les frérots. Je pense pas que ça va payer, celui-là. Dommage, hein. Les deux voitures en bas, elles prennent pas, en fait. Bon, 40 balles. Moins bien celui-là, mais en même temps, on vient de taper une dinguerie derrière, devant. On avait pris une vraie dinguerie d'ailleurs, les gars. Hein. C'était un fois combien? Dans le bonus d'avant, les gars, c'était un fois. C'était quasiment un fois 6000, les gars, hein, qu'on a pris le bonus d'avant. C'était un fois 5500, les gars. Si je me trompe pas dans mon calcul. On a bien chaté, hein. Ouais, bon là c'est un peu compliqué du coup. C'est de la merde en vrai. La jaune elle a encore le meilleur setup. Allez, jaune, rouge les gars, c'est les deux best. 15 spins c'est pas beaucoup. x5000, ouais c'est ça. Après.
Bon, dommage, pas très bien placé en vrai. Ok, par contre, j'aime bien ce qui se met en place là. C'est un début de ligne. Allez, les voitures jaunes par ici là. C'est cette zone qu'il faut target, les gars. Soit une rouge qui vient se placer par là, soit des jaunes qui viennent là. La slot va tout reprendre. Ah, on va voir, on va voir. Bizarre ce start. Elle avait trop bien commencé sur les deux premiers spins et derrière. J'ai l'impression que c'est une coquine cette slot, les gars. Quand elle te met un bon setup au début, elle va pas le réaliser. Quand elle te met un setup de merde, derrière, elle peut te payer de fou. Ce genre de wager incroyable, de ouf. De ouf, mec. Bon, c'est pas énorme, malheureusement. Allez, deux spins pour faire une dinguerie ou pas? C'est pas si mal ça, les gars, c'est dommage, ça connecte pas. Ah ouais, putain. Je vais racheter, les gars, on va voir. J'aimerais bien avoir un énorme setup, tu vois, au départ, pour voir ce que ça donne un peu, là. Salut, mon Atibo, ça va ou quoi, mon poulet? Putain, mais en tout cas, incroyable, les gars. Galère sur tout le wager. Ok. Ok, bon, meilleur setup encore sur la jaune et la rouge, les gars. La jaune encore pas mal. Allez, 14 spins, par contre, c'est éclaté. Hein. Salut, Brandix. Ça va ou quoi, frérot? Ah, c'était sûr. C'est toujours pareil, en vrai. Hein. Dès que t'as une ligne comme ça, là, la voiture, elle est toujours au-dessus ou en dessous. Elle est jamais dessus, quoi. Bon, on a une rouge qui est positionnée ici. Faudrait empiler les rouges, les gars, ce serait le best. Ça va, Valérie, ou quoi? Mais ça va, envie des petites émotions ici. Jaune, le setup, il est stylé. Putain, les jaunes. Oh là là, mets-moi une full jaune ici, là. Bon, il va pas payer celui-là, je pense. Ok, deuxième rouge, par contre, qui vient s'empiler, ça, c'est cool. Faudrait juste taper des premiums et continuer les connexions. Ou une troisième qui vient s'empiler. Pourquoi pas. Dommage, hein. Dernier spin. Avant-dernier, pardon. Ah, ça dégoûte. Ah, dommage. Elle avait raison, elle me reprend tout, là. Elle me reprend tout, la coquine. Je vais raise, les gars. 400 balles, allez. C'est trop, hein. Son of bitch. Allez, s'il te plaît, ça met dans le setup de fou, là. Ah, ça ressemble pas à un setup de fou, ça. En bas. La verte, elle est solide, la verte, les gars. On n'aura pas beaucoup de spins, mais on a des voitures qui sont bien parties, en vrai. Ah, la verte, elle est solide, les gars. La verte et la jaune, elles sont solides. Chanchouve, elle t'a déjà bien donné. C'est gentil, les gars, mais vous savez qu'une seule, t'as pu me donner derrière, regarde ça. Let's go! Aïe, 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 il veut pas comprendre, laisse-le tout perdre. Ah, madame Irma, la dose, ça se passe comment, mon frérot, là? On dit quoi avec les 1000 balles, là, la dose? Putain, t'imagines, une voiture, 1000 balles. Incroyable, incroyable, cette slot, les frérots. Allez, let's go, les gars. Putain, les oiseaux de mauvais augure dans le chat, vous êtes grave, hein? Vous êtes grave, les gars, vous savez pas apprécier les bonnes choses, c'est ça votre problème. Ok. Bon, je pense que ça a fini de connecter, en vrai, hein. Je la vois pas trop me remettre des dingueries. La dose, il est pire que moi, les gars. Pire timing pour ouvrir sa bouche. Aïe, aïe, aïe. Bon, on prend du coup, les gars. On prend. Ça va. Ça me va de perdre de l'argent comme ça. Allez, s'il te plaît. Continue, mon pote. Fais-moi tout perdre mon argent. Allez, s'il te plaît, les gars. Bon, le setup, il est pas incroyable encore. Parce que j'ai pas les demi-tours. La meilleure voiture, c'est la rouge, les gars. Putain, on n'arrive pas à avoir un vrai setup, en vrai. Hein. La rouge, c'est la baisse, les gars. Rouge, vert, jaune, dans l'ordre. Allez, s'il te plaît. Merci, mon Alex, pour le diams. T'as une chatte horrible. Dis quoi, une chatte horrible, les gars? C'est le casino, j'ai pas chatté pendant 1000 ans. Là, ça commence à tourner un peu. Dans 2 secondes, je vais tout perdre. C'est le jeu, les gars. Vous avez vraiment un problème à comprendre le fonctionnement du casino, je pense, en vrai. C'est même pas du troll, ce que je dis, les gars. La chance, ça se provoque. Bah oui et non, après tu joues au casino, forcément à un moment ça tourne, tu vois.
Mais j'ai autant de chances de toucher de l'argent ou de tout perdre sur cette slot que sur une autre, tu vois. Y a aucune raison, parce que j'ai gagné de l'argent avant, que je vais forcément reperdre, tu vois. Ça, c'est vraiment des raisonnements à 3 francs 6 sous, comme on dit, hein. Allez, let's go, les gars. 3 spins. Bon, celui-là, ça va pas être le bonus de l'année, je pense. Ah là, y'en a qui vont être contents dans le chat. Y'en a qui vont se réjouir de mon malheur. Ah, tu vois, on te l'avait dit. Ta-ta-ti-ta-ta-ta. Allez. Putain, dommage. Dernier spin, pourquoi pas. Les verts, les verts, les verts. Oh, tout dommage qu'il était pas en dessous. Hein. Par contre, ça tabasse quand même, je pense. Voilà, c'est remboursé avec un peu de bénéf. Putain, en vrai, la rouge, elle aurait été sur les verts, là. C'était vraiment une dinguerie, les gars. La rouge, elle passait là, c'était... C'était 6000 euros, je pense. En ce moment, je gagne rien. Hier, on joue avec un pote, c'est mes sous. Mais c'est sous à lui, on fait 20 spins sur Ventine, hein. 5 versus qui tombe. T'as dû kiffer, Bamas. Mais le casino, c'est ça, les gars. Faut vraiment comprendre, les gars, que le casino, c'est que du hasard de ouf. Alors, la rouge qui va faire mi-tour, ok, pourquoi pas. C'est du hasard de ouf, les gars. Vous pouvez jouer pendant un mois, rien toucher. Une fois que vous avez joué 5 euros, vous allez spin 100 spins, vous allez toucher 3 dingueries en 100 spins. Y'a pas de règle, les gars, y'a pas de règle. C'est vous et votre chat. Par contre, les spins, elles sont cool. Mais dommage, le setup. On a pris beaucoup de spins, mais les setups de voitures sont pas ouf. Allez, let's go, les gars. Tu vois qu'on te l'avait dit. Heureusement que je vous écoute pas, de bande de fous dans le chat, là. Heureusement que je vous écoute pas toujours, vous, bande de malades. Hein. Vous êtes trop, les gars. Ok, on a le petit x5 qui paye ici, là. Je sais pas, 30-40 balles. Ah ouais, tu fais la pauvre, là. Connexion de pauvre, ça. Allez. Du hasard. Si le roi Chimboz le dit. Ça va ou quoi, Chim Chim? Salut, TK. Le hasard calculé. Je sais pas, ça. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. J'aime trop cette slot. Faites le potentiel de dinguerie en une voiture qui vient se rajouter, qui fait 10 000 balles là, c'est incroyable. Le feeling, il est incroyable. Par contre, le feeling de 18 d'études, 5 ans que je joue, j'ai jamais hit. Ah, mais ça dépend quelle fréquence tu joues, ça dépend de plein de choses en gros. Il y a des gens qui vont jouer une fois, ma meuf, elle va jouer une fois, elle va taper une dinguerie, et puis voilà, c'est comme ça, mec. Hein. C'est que t'es un putain de poissard, la THK. Hein. Le RTP, il est pas pour toi, c'est tout, hein. Faut arrêter de jouer, frérot. Il y a des gens qui ont pas de chance, c'est tout, les gars. Quand vous avez pas de chance, quand vous voyez que ça vous fait du mal et tout, vous cassez pas la tête. Barrez-vous. Ça, ça peut payer, par contre. Hein. Ça, ça peut payer, je pense. Les 3K, les gars. J'en ai marre de tout reperdre. J'en ai marre, la dose. J'en ai marre, la dose. Comment je fais pour tout reperdre, la dose, s'il te plaît? Explique-moi, parce que j'essaye de tout reperdre, mais ça marche pas. Allez, là. La caillasse. J'aime trop quand ça se passe comme ça, le casino, les gars. C'est tellement rare qu'il faut savourer, les gars. Allez. C'est pareil, là, on fait 2 heures de stream casino, il se passe rien pendant 2 heures. Je me lance sur les achats Road Rage, et là, ça part en couille, tu vois. Oh, ça va, hein. Bah, c'est mérité, frérot. C'est mérité, la dose. C'est mérité, mon pote. Allez les gars, on continue s'il vous plaît. Sinon, parce que si je rip là, la dose il va me revenir dans les bronches là. Il va me dire, ouais, chaud alors, hein, je t'avais dit que t'allais tout perdre, espèce de petit enculé de ta mère de pute. Allez là. C'est trop, hein. Mais, oh non. Oh non, oh non, j'allais prendre un double aller-retour là. Putain, ça, ça fait plaisir à la dose, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Me crache dessus en plus, c'est ça le problème. Maintenant, quand t'es streamer, tu te fais plus respecter. Fut un temps, les gars, t'étais streamer, t'étais un beau gosse, t'étais respecté, les gens te respectaient vraiment, ils te regardaient avec les yeux de l'amour. On va regarder la dose. La dose, il se fout de ma gueule. Oh, x7. La dose, il ment. Il est pas là pour mon bonheur, il veut me cracher dessus, il veut mon malheur, il me tire dessus avec des machine guns. C'est trop ça. Moi, je veux de l'amour, les gars. Allez, la dose là. La dose Irma. Ok. RTP ou faux ou pas, faut juste comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui spinent en même temps la slot. C'est pas si c'est toi que... Exactement, Laetitia. Ah, mais il y a beaucoup de mythes sur le casino, en vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de mythes. Par contre, on a un setup de voiture là qui est très, très bien. Si on reprend des petites voitures, ça peut être cool. Les gars, le casino, c'est que de la chatte. Il y a aucune règle. Tu peux taper 3 fois 1000 dans la même journée et pas en taper pendant 6 ans, tu vois.
C'est comme ça le casino, les gars, il n'y a pas de règles. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, les gars, c'est que le RTP de 96%, les gars... Oh. Ça peut être pas mal, ça, non? Je sais pas combien ça fait, mais ça peut être pas mal, non? Le RTP de 96%, sur la plupart des trucs, les gars, c'est que vous allez lose pendant 1000 ans, et la fois où vous allez toucher la grosse truc, c'est là que ça rattrape tout, tu vois. Et ceux qui n'ont pas de chat et qui spin et qui tapent jamais de dinguerie, bah, eux, ils perdent beaucoup, tu vois. Genre, le RTP de 93%, c'est pas genre, je vais faire 100 spins, je mets 100 euros, je vais récupérer 96. Ça marche pas comme ça, les gars. C'est sur 1 milliard de spins, peut-être, une infinité de spins, là, la probabilité se respecte. Mais sinon, c'est dead. Bon, bref. Commencez par, les gars. Bon. On a un setup pourri sur les voitures, spin moyen, ça sent pas la dinguerie. Allez, la dose, t'en penses quoi de ce bonus? On est perdant, c'est tout. Exactement, exactement. Déjà, au casino, les gars, c'est comme tous ceux qui disent « Ouais, c'est truqué, machin. » Les gars, le casino, ils ont pas besoin de truquer les slots, ils ont pas besoin de truquer les jeux d'argent. Les stats sont pour eux, les potes. Les stats, c'est pour eux. Ils ont pas besoin de truquer, les gars. Les stats sont contre nous. C'est le jeu, les gars. C'est pour ça qu'il faut pas jouer pour gagner de l'argent au casino. C'est impossible. Je sais pas, c'est comme vouloir... J'ai pas d'analogie en tête, les gars. Mais... Bref. Vous avez compris l'idée, quoi. C'est comme vouloir un truc impossible. Elle était vraiment nulle, mon analogie. Je ferai mieux pour la prochaine fois, les gars, je vais réfléchir. J'en pense plus rien, moi. Je ferme ma bouche, maintenant. Putain, ma vie, c'est bon, ça. Je l'ai dressé, la dose. Paf! Enfin, rentrer à la maison, sa femme, elle l'aura jamais vu comme ça. Oui, il faut faire la vaisselle, vas-y, ma chérie, je fais tout de suite la vaisselle. Allez, la dose! Faudrait des jaunes, là, en full. Full middle, là. Putain, la dose, hein, je te l'ai remis dans le droit chemin, là. Paf! Une petite réflexion, il a compris c'était qui le boss. Maintenant, c'est bon, ça respecte un peu. Ouh, ça aurait pu être énorme, ça, en vrai. Dommage, j'ai pas un jaune ici, ça aurait pu être une dinguerie. Bon, bonus de merde, on perd quand même 300 balles. Ah, peut-être entendre la dose, du coup. Je vais peut-être entendre la dose. C'est comme encore... C'est comme vouloir maigrir en mangeant tous les jours des BK ou McDo. Bah ça, en vrai, tu peux maigrir en mangeant Burger King et McDo tous les jours, Ramirez. C'est pas un bon exemple. C'est comme si tu voulais te refaire au loto. Ouais, bah c'est pareil. Non, c'est comme si tu voulais t'auto-sucer. Voilà, c'est un peu la même difficulté, les gars. C'est genre, t'as jamais fait de gym de ta vie, et un jour tu te réveilles à 60 ans, tu te dis, putain, j'aimerais bien m'auto-sucer. Bah voilà, c'est pareil, les gars, c'est pas possible. Putain... Trop, ça aussi. Tout que je vous explique. Faut tout que je vous explique, c'est ça, votre problème. Allez, paye un peu, là. Ça marche comme analogie. Bah non, du coup. Non, parce qu'en fait, ce qui te fait maigrir ou pas, c'est ton déficit calorique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mange tous les jours au McDo ou à Burger King, mais je me mets en déficit calorique par rapport à ce que je consomme dans la journée, je vais maigrir. Ça n'a pas de sens. Tu vois, Ramirez? Putain. Pour ça que tu prends du poids, frérot. En tout cas, un beau bonus encore. Hein. Fais-moi une dinguerie là, s'il te plaît, parce que ça redescend là. Si t'as un long chimbre. C'est quoi un chimbre? On parle même plus français dans le chat, je te jure. Ça y est, on parle de long chimbre, Yanaïs. Salut Yanaïs, ça va? Ok, ça paye, je pense. J'espère que ça paye cher. Pourquoi ça paye que si peu? Bizarre la slot. Je fais un dernier achat, les gars, et je me tire. On va kiffer un petit achat à 530. Et après, je me tire. Salut mon jumbo, ça va quoi? Bonne chance pour dépenser des calories au McDo tous les jours, mec. T'es un athlète, t'as fait des calculs. Bah, pour le coup, je fais du sport, ouais, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Mais je suis pas un athlète forcément, mais. En fait, c'est juste. J'ai besoin de 3000 calories, mec. Je mange un Big Mac à tous les repas, bah, je suis en déficit calorique, tu vois. Ça veut rien dire, en fait. C'est juste que les aliments au McDo ont plus de calories que dans ce que tu peux manger de sain, quoi, dans les assiettes classiques. Mais tu peux complètement perdre du poids. Allez, s'il vous plaît, les gars, là. Respectez mon niveau d'athlétisation, là. À quand notre prochaine sortie? Tu m'as fait une transition entre gros chibre et prochaine sortie, Anaïs? Parce que tu veux faire la prochaine sortie avec Médoc, c'est ça?
Tu farmerais pas pour un hunt? Non, 2k les gars, c'est bon là. Si j'arrive à 5k, peut-être je fais un hunt. Ça va, Mani, j'écoute la forme, la forme. On a sauvé le Watcher pour mieux le rip derrière, j'ai l'impression. Mais en tout cas, je revis. Je revis sur cette fin de Watcher, les gars. Ok. Allez, tu m'as mis en place un petit setup là, maintenant tu pètes un plomb! Putain, mais jamais les trucs au bon endroit! C'est bien, mais c'est pas assez ouf. Allez, s'il te plaît. Faudrait une voiture qui vienne éclater tout là. Ah. Quel dommage, hein. Quel dommage. Perd la moitié du solde. 241 balles. Bon, je vais changer la slot. Elle m'aura bien fait kiffer cette... Attendez, je vais peut-être juste avant de partir chercher un truc, les gars. Je vais tenter un truc, les gars. Spin à 10 balles. 50 spins. Je la tente, les gars. Elle a mérité qu'on l'essaye. Au cas où elle est chaude. 50 spins à 10 balles, les gars. On voit. Salut, FS. Yo, 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 mon poulet. Je rappelle, les gars, 40 balles à l'échange sur Insta. Point d'exclamation Insta, les gars. Et 21 balles en passant par mon affiliation sur Steak. Point d'exclamation Steak. Et après, à la fin du mois, tous les mois, entre 1000 et 5000 euros à se partager pour mes affiliés steak, les gars qui auront joué sur le mois en cours. Vous avez toutes les infos en point d'exclamation Watcher Race. Ça y est. Regarde-moi ça, la dose. Il est pour toi, celui-là. Le prochain. Le prochain, le prochain. S'il te plaît. S'il te plaît. La meuf de la dose va me remercier si jamais on touche un truc de fou, là. Ça va le calmer, là. Si t'arrives à plus avoir faim avec un, après un Big Mac, t'es surhumain. Ouais, après, y'en a qui mangent moins que ça, hein, frérot. Ah, mais le problème des trucs gras et des trucs sucrés, les gars, c'est que ça nourrit pas en profondeur. C'est pour ça que vous avez faim après, les gars. Les Big Mac, tu peux manger 12. Moi, je bois du coca, c'est pareil. Bon, allô? On fait quoi comme slot après, les gars? Je te souhaite le meilleur, en tout cas, mais je sais bien, mon lado, t'inquiète, mon poulet. Je te troll, mon frérot, hein. Je suis le premier à dire des saucisses et me taper des vieux timings derrière. Vas-y là, 10 spins. Ok, dommage. Petite feature, ça aurait pu être cool. Ah, elle met une... Ah, j'aime trop quand elle met des... Ah, elle est trop loin là. Ils sont trop loin les deux. Sugar Rush en achat. Muertos, Tom. J'hésitais avec Pug Life, moi, mais bon. J'ai envie de retourner sur le... Sur le comment là, sur le double spin, le triple spin Pug Life. Allez, s'il te plaît, sur le dernier spin. Et je suis un génie. La dose. This is for you, my friend. This is for you. Sur le dernier spin, les gars. Putain, quel génie, hein. Bon, le setup est pas incroyable, par contre. Je prends la jaune déjà, c'est pas ouf. Je prends la pire ligne. Oh, bon. Full achat de Gauss Megaway. Je sais pas, elle me saoule un peu de Gauss Megaway en ce moment, les gars. Pas assez fun, je trouve, dans le bonus. Book of Golden Sun, pourquoi pas? Tiens, des grosses piles, là. Ok, ça va faire un petit truc qui va payer, ça, 175 balles. Bon, on récupère ce qu'on a perdu sur les spins, normalement, là. Il n'y a plus qu'à taper une dinguerie. Petite jaune, là, quelque part. Troisième colonne. Oh, c'est pas mal, ça, hein. En vrai, c'est pas mal, les gars. Voilà, on est back à 2K. Petite jaune ici, c'est une dinguerie. Avec le rouge, en plus, ça aurait été cool. Bon, 4 ans. C'est pas non plus un bonus de fou, hein, c'est 1x40. Mais du coup, elle mérite que je lui en mette 50 spins, les gars. Cherry Pop, c'est un très bon coach, ça, Cherry Pop, les gars. Vous savez quoi? On va aller sur Cherry Pop. Alors, attends. Peut-être que je fais autre chose. Je vais aller spin Pug Life à 12-15 balles. Avec le triple chance, là. Et après, je vais sur Cherry Pop. Comme ça, on fait les deux, les gars. Et après, en fonction de comment ça se passe, on voit si on va sur Tom, sur Sugar, sur Wanted, sur tout ce que-là. Est-ce que ça vous chauffe comme programme, les gars? Est-ce que vous êtes chaud? La dose, tu en penses quoi? Est-ce qu'on va tout reperdre ou pas? J'aimerais bien qu'ils me disent quoi, tout reperdre. Comme ça, on est sûr qu'on gagne. Je sais même pas où j'en suis du Watcher. J'ai pas regardé une seule fois le Watcher pendant les 2h30 tellement qu'on s'est pris des bits avant Road Rage. On est à 14% du Watcher. Bon, il y a du taf, les gars. Dommage. J'aimerais trop revoir un bonus à 10 balles. Et imagine un jour je tape le 4 skater là. Dommage ça que t'aies pas de voiture là-dessus.
Ouais, tu vas tout perdre, Gospin à 50 balles. Je devrais tellement le faire. Sur Sweet Bonanza, les gars. Petit spin à 50 sur Sweet. Ah, 50, c'est chaud, les gars. J'ai une demi-molle rien qu'entendre le programme. Bah là, tu me fais plaisir, Jumbo. C'est ça qu'on veut, mon poulet. Des good vibes. Bon, dommage, Rodred, les gars. Mais elle aura fait kiffer, quand même. Franchement, elle a été sympa. Et yo les petits potes, du coup j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère que vraiment vous passez du bon temps, en tout cas sur cette chaîne. Ce petit moment pour vous dire qu'il y a 21$ offert à partir de 21$ de dépôt sur mon lien d'affiliation Stake. La seule condition du coup c'est d'être affilié à moi sur Stake, c'est-à-dire d'avoir cliqué sur mon lien d'affiliation pour vous créer un compte. Mais avant de vous en parler plus en détail et comment en profiter, je rappelle que le casino n'est pas un moyen de gagner de l'argent, absolument pas, jamais de la vie, faut penser ça les gars. Si c'est le cas, vous serez toujours malheureux, vous allez tomber dans des phases qui sont pas bonnes pour vous, dans les phases que dans lesquelles je suis déjà tombé, donc je suis bien placé pour en parler. Ne jouez pas de l'argent, vous ne pouvez pas perdre de perdre. Si vous jouez pour gagner de l'argent, vous serez toujours déçu, les gars. Il faut jouer pour le plaisir parce que vous voulez passer un bon moment, soit avec vos potes, soit de votre côté. Mais surtout, ne jouez pas pour gagner de l'argent. C'est à partir de là. Si vous jouez et que vous ne prenez pas de plaisir, c'est-à-dire que vous jouez de l'argent, sûrement que vous pouvez vous permettre de perdre. Soit que vous n'êtes pas prêt psychologiquement à perdre cet argent. Il peut y avoir plein de choses là-dedans. Et là, vous tombez dans une spirale qui est très négative autour du jeu d'argent. Et c'est pas bon du tout. Il faut absolument arrêter. Si quand vous jouez au casino, vous prenez pas de plaisir, stop! Tout de suite, ne rigolez pas avec ça les gars, c'est très dangereux pour vous, ça peut avoir des conséquences dramatiques, vous pouvez perdre de l'argent, encore une fois, vous pouvez pas vous permettre de perdre, et donc potentiellement vous mettre dans des difficultés financières, vous pouvez vous isoler socialement, fichez cette caméra, vous pouvez vous isoler socialement parce que du coup vous allez vous renfermer sur vous-même, parce que vous allez tomber dans une mini-dépression, parce que vous perdez de l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre, donc ça peut créer quelque chose de très très négatif sur la confiance en soi, sur la fierté qu'on a autour de soi, etc. Casse les couilles. Mais bon, bref, vous avez compris. Donc voilà, faites très attention à ça, les gars. Si vous avez le moins de problèmes d'addiction, n'hésitez pas. Sur mon Discord, il y a un channel prévention avec les numéros qu'il faut appeler. Potentiellement, n'hésitez pas à venir me parler. Il n'y a pas de souci. Il y a de temps en temps des gens qui viennent me voir et il n'y a aucun problème. Je peux leur répondre, je peux leur partager mon expérience. Je peux les guider vers des numéros qui peuvent les accompagner ou des services. N'hésitez vraiment pas, les frérots. Et voilà. Du coup, pour la promotion, les gars, pour en profiter, vous avez deux façons de faire. Soit vous allez directement sur mon Discord, vous allez dans l'onglet Stake, il y a tout qui est expliqué, donc faut cliquer sur mon lien, vous créez un compte, vous déposez 21$, vous les jouez au moins une fois, que vous les perdiez, que vous les gagnez, bah, c'est pour vous. Et après, vous avez 21$ offert, donc c'est un peu comme un dépôt remboursé si vous déposez 21$, vous les jouez, vous avez le double qui vous est donné après dans la foulée. La seule condition, du coup, les gars, c'est d'être encore une fois affilié à moi. Donc prenez le temps d'aller bien checker ça avant de vous inscrire sur le casino, d'aller sur mon Discord. Vous pouvez aussi venir me voir sur Insta, sur tous mes réseaux les gars, si vous cherchez mon lien d'affiliation et que vous ne le trouvez pas et que vous galérez avec Discord, vous m'envoyez un message sur Insta, sur Twitter, sur ce que vous voulez. Voilà les gars, prenez soin de vous, faites attention en tout cas, le casino encore une fois c'est très important, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent, on le répète jamais assez et moi le premier les gars je le sais et pourtant ça m'arrive des fois d'être dans des périodes où je sais pas, je suis dans un mauvais mood, je vais aller jouer 50 balles, mais en fait j'ai pas envie de les perdre, je suis pas prêt à les perdre et ça va me mettre dans un très mauvais mood et c'est pas du tout un bon délire. Donc vraiment le trigger numéro 1 les gars, c'est si vous ne prenez pas de plaisir quand vous jouez, c'est qu'il faut arrêter. Faites attention à vous, en tout cas prenez soin de vous, kiffez la life, n'oubliez jamais ça les gars, kiffez vraiment la life. Il y a déjà assez de trucs négatifs dans nos lives pour ne pas s'en rajouter nous-mêmes. Kiffez, je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, ciao ciao.